Je vais partir d'un point central et faire des Dans cercles de plus l'escargot, en là. plus grands. Ouais, voilà, parfait. Claudia n'est pas en train d'apprendre à dessiner. Avec cet exercice, elle tente d'améliorer sa motricité fine. Est-ce que ça fatigue? Ouais, un petit peu, mais Ouais. bon. Allez, je vous laisse faire deux tours. À 49 ans, elle souffre de sclérose en plaques. Mais ses troubles moteurs ont été aggravés par son séjour en réanimation à cause de la Covid. Par rapport à ma pathologie initiale, j'avais effectivement perdu une certaine motricité, mais ça s'est encore amplifié, encore plus. C'est-à-dire que je ne pouvais plus du tout, après la Covid, me servir de mon bras droit, quoi. Ma main avait vraiment doublé de volume. Je ne pouvais même pas dire de la bouger ou faire des mouvements circulaires comme ça sur une table, c'était impossible. Et là, c'est vrai qu'avec avec l'exercice qu'on fait en ergothérapie, j'arrive de nouveau à serrer mon poing, à prendre des petits objets. Allez, deux de plus. En ergothérapie, on est vraiment axé sur des activités du quotidien. On travaille la dextérité fine, la coordination bimanuelle, en même temps le tonus du tronc qui est stimulé vu qu'on limite les appuis au niveau des bras. Et puis on travaille l'endurance, n'est-ce pas? Là, ça carbure. Oui. Ça va, ça va. Ok. Bon, vous avez bien travaillé. Merci. La journée n'est pas finie, du coup, pour La vous journée n'est encore. pas finie. La sclérose en plaques de Claudia a été diagnostiquée il y a 25 ans. Peu à peu, elle a perdu l'usage de la marche et a dû se déplacer en fauteuil. De toute façon, tu vas venir me voir quand, là, samedi ou dimanche, du coup? Mais pour cette mère de trois enfants, toujours active, la Covid a été une véritable double peine. J'ai perdu énormément de muscles, beaucoup de force. Je me suis vraiment vue dans une situation assez catastrophique. J'ai dit, mais comment je vais faire pour rentrer à la maison? Je ne veux pas être une charge pour mon mari, pour ma famille. Il faut que, encore une fois, que tu te battes pour sortir, sortir de cet état végétatif, quoi. Donc j'ai dit, mais il faut que tu travailles maintenant. Si ça veut dire que si je récupère vite, je vais pouvoir rentrer à ma maison et m'occuper de mes enfants et de ma famille. Et ça c'est ma carotte. Pour me faire avancer, ouais. Attendez-moi. Hein. Je partirai pas en courant. Un, deux, trois. Allez, allez, on pousse sur les jambes, très bien, redressez-vous. Ouais. Déterminée à retrouver une certaine autonomie, Claudia enchaîne les séances de rééducation depuis 15 jours. Allez, vous essayez de tenir un peu par vous-même, j'enlève ma main. Ok. Super. Bon. Nico, tu tiens beaucoup ou pas? Là, je tiens pas du tout, je suis okay. Juste en sécurité. C'est bien, madame Fécher. On est là au cas où, mais c'est vous qui tenez toute seule. Okay. Les efforts qu'elle fournit sont énormes, mais sa motivation l'est tout autant. Renforcer son dos et ses jambes pour se transférer, seule, de son fauteuil vers un autre siège, comme elle le faisait avant la Covid. Allez, encore, 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 encore. On essaie d'aller se rasseoir? Et vous allez vous asseoir. Super, très bien. Alléluia. C'est énorme de me mettre debout et je vais pouvoir bientôt reprendre ma voiture, aller aux toilettes toute seule parce que ça aussi c'est hyper important, être autonome quoi, parce que c'est pour moi c'est une richesse indescriptible, donc pour moi c'est hyper important. Coucou. Bonjour Claudia. Bonjour Daniel. Alors, ça va? Ben, on souffre en silence. Oui c'est ça, mais quel progrès tu as fait. Adieu le fils, Claudia a retrouvé Daniel, qu'elle connaissait déjà auparavant. Lui aussi revient de loin et ils se soutiennent mutuellement. C'est génial. Je ne pensais pas qu'un jour, en fait, que je sois là pour ça, quoi, par rapport à la Covid et à ses conséquences. Et je pense que Daniel, c'est pareil, parce que je ne pense pas qu'un jour, il aurait pensé, je pense même une fois, de te retrouver dans la situation dans laquelle tu es, en fauteuil, réapprendre à marcher. À parler, à manger, ouais. On s'imagine pas tout ça. Non. Là, il faut tout repartir de zéro, quoi. Donc, ouais. C'est pas simple. Il faut tout réapprendre. Ouais. C'est ça. Ok. Allez, vous êtes opérationnel pour le slalom. Allez, c'est parti. À gauche. Complètement alité à son arrivée il y a 2 mois, Daniel arrive enfin à tenir debout pendant de longues minutes et même à faire du ski, virtuel, bien sûr. À gauche. Vous sentez le poids de votre corps qui se transfère à droite, à gauche, un ah petit oui, peu? Ça, je sens. Ouais, hein? Ok. C'est parfait.
Il travaille ainsi son équilibre pour éviter les chutes quand il rentrera chez lui. Super. Et à droite, et à gauche, toutes. Ouh, ça passe. Super, ligne d'arrivée. On dirait qu'on s'amuse, mais pas du tout. Quand on vient ici, on sait que c'est un traquenard. Mais avec le sourire, toujours. C'est bon pour vous ? En même temps que ses capacités physiques, Daniel a retrouvé le moral et l'appétit qui va avec. Oui, oui. Hello. Ah. Ah. Et au fil des jours, des liens se sont noués avec l'équipe, très prévenante. Une complicité qui compte aussi beaucoup dans l'évolution des patients. Hein oui. Je vais essayer de vous trouver autre chose. Une petite compote. Une petite compote. Ouais. Ok. Monsieur Cerise, il aime la bonne chair, en fait. Pas vrai? Ah ouais. Moi, j'adore venir chez lui parce qu'en fait, il est toujours souriant et ça fait du bien. Hein? Ah ouais. Et ça aide. On avance mieux quand on est... Quand on est confiant, quand on est... Et c'est cette dame qui m'a beaucoup aidé quand je suis arrivé. Là, il y en a deux ou trois, je peux les porter au ciel. Ce soutien est d'autant plus important que les patients ayant eu la Covid restent ici longtemps. Leur rééducation dure en moyenne un mois.